Hello, hello les amis. Hello la team replay. Comment allez-vous? Laissez-moi un petit hashtag replay pour me dire comment vous allez. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit parce qu'à côté j'ai mon fils avec un de ses copains qui est là à la maison et ils sont en train de jouer au jeu et il y a de l'animation. Donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Bon, alors. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Bon, je vous parlerai tout à l'heure. Non, je peux vous en parler maintenant, tiens, d'ailleurs. De ce rituel du matin pour les entrepreneurs que j'ai vécu ce matin avec Lumia Ferreira. Levé à 5h45. Ça allait quand même, le lever à 5h45, bien que j'ai pas très bien dormi. J'ai eu du mal à m'endormir. Je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Et puis réveillée à 5h45, donc là de toute façon je me suis dit il faut que je sois à 6h sur mon tapis de yoga, donc je vais pas traîner comme j'ai l'habitude de faire. Et puis bon, je voulais pas réveiller mon conjoint qui dormait à côté, donc vite je me suis levée, je suis allée me préparer, je me suis installée dans le bureau et c'était super, voilà, vraiment c'était vraiment génial. Ça a duré jusqu'à 7h15. Pour me remettre au yoga, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'en avais fait aussi avec Marie-France Gagnon, et puis du Kundalini Yoga, j'en avais fait aussi 2018-2019 avec une prof de yoga qui venait juste en face de chez moi. Mais c'était le soir, moi le soir, là, ressortir de la maison, moi le soir, honnêtement, alors je me couche tard, mais j'aime bien être tranquillement. Chez moi, sans avoir à ressortir. On va dire que le soir, je suis un peu casanière, quoi. J'aime pas trop sortir. Enfin, j'aime bien sortir pour aller chez des amis ou tout ça, mais sortir là pour aller faire une activité en dehors de la maison, non, j'aime pas trop ça. Bon, en tout cas, voilà, de faire cette séance de Kundalini Yoga avec Lumia ce matin, c'était vraiment très chouette. Bon, j'avoue que voilà, j'ai réussi à me lever à 5h45, j'ai fait la séance. Après, j'ai pris mon petit-déj et après, je suis allée me mettre dans mon lit avec un livre, le nouveau livre de Gabriel Bernstein, Happy Days, je crois que c'est ça, oui c'est ça. Et à un moment donné, je me suis rendormie, donc ce matin j'étais un peu dans le pâté, je dois dire. Bon, là l'idée, vous voyez d'ailleurs pour ceux qui sont habitués à venir sur mes lives, que mon live ce soir est relativement tôt par rapport à l'horaire auquel je viens d'habitude, parce que souvent c'est minuit, voire une heure. Donc là, l'idée, c'est de faire mon live, de partir à la douche et de me coucher. Voilà, pour dormir quand même un peu plus, parce qu'aujourd'hui, j'avoue que... Waouh, ça piquait un peu quand même, hein. Voilà, donc j'ai eu des moments de coup de barre aujourd'hui. Bon, c'est l'intérêt aussi de travailler depuis la maison et puis de pouvoir gérer son emploi du temps. J'avais pas de rendez-vous aujourd'hui, à part mon coaching avec Cécile Tardy. On est en coaching de groupe tous les lundis. Enfin, on est en groupe mastermind tous les lundis et les vendredis à 12h30. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai retrouvé Lumia après, qui est aussi dans le même accompagnement. Bon, voilà, ça c'est fait, puis je vous tiendrai au courant aussi au cours du mois, puisque je vais faire tout le mois avec ce rituel du matin, du lundi au vendredi, de 6h à 7h15. Puis j'ai proposé à Lumia qu'à la fin du mois, on puisse faire un live ensemble, où je pourrais venir partager en fait, partager comment j'ai vécu ce mois-là, qu'est-ce que ça m'a apporté, voilà, et pour vous partager ce que ça m'a apporté, et puis ben, pour permettre aussi à des gens de découvrir ce qu'elle fait, parce que je suis sûre que beaucoup d'entrepreneurs sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire, oui, d'être quelqu'un qui a de l'énergie, plein de projets, tout ça, mais qui a du mal un petit peu le matin à lancer la machine, et qui aurait bien besoin d'un moment de boost comme ça le matin pour démarrer sa journée et être pleinement en énergie tout au long de la journée. Donc, moi, pour cette première journée, je vous dis, j'étais un peu un peu dans le pâté, mais c'est de trouver un rythme, en fait. Voilà, là, c'était la première journée. L'idée, ça va être de trouver un rythme, peut-être, ben, du coup, en me levant plus tôt aussi, ben, la journée, le soir, je vais réussir à me coucher plus tôt aussi, plutôt que de prolonger jusqu'à minuit ou une heure. Enfin bon, chacun, après, s'adapte comme il veut, mais
fin novembre, on viendra vous partager en tout cas ce que moi ça m'a apporté. Bon, c'est pas ce que je voulais vous partager aujourd'hui, mais comme j'avais dit que je vous ferai un retour sur, sur ce premier rituel du matin, voilà, c'est fait. Je ne sais pas si vous les entendez, mais ils ont l'air de bien s'amuser. Je voulais vous parler de quelque chose. Ça fait déjà plusieurs fois, je crois, que j'en parle. Mais là, vraiment, dans le dernier coaching de groupe vendredi, j'ai partagé dans le groupe, j'ai partagé... c'est parce que vraiment, je me demande si vous les entendez. Je vais juste leur dire de parler un peu moins fort. Vous parlez moins fort, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait. Je leur ai dit juste de parler un peu moins fort parce qu'ils sont vraiment dans leur jeu là, puis ils sont à fond. Bon. Alors, ce que je voulais vous partager, c'est que il y a des fois, il faut faire des choix pour sortir du brouillard. Bon, moi, ce que j'ai partagé au, au groupe et à Cécile. Vendredi, c'est que en tant qu'entrepreneur, là, puis bon, moi j'ai une entreprise qui est très récente, hein, j'ai monté mon entreprise en mars 2021, donc ça fait un an et demi, mais ça fait juste un tout petit peu plus d'un an que je suis entrepreneur à 100%. Voilà, depuis que j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai commencé par créer un sommet en ligne, donc ça c'était mon premier business, hein, créer un sommet en ligne, le congrès de l'écologie relationnelle. Et puis ensuite, en même temps, j'avais fait ma formation de coach avec Ludovic Leroux sur la théorie polyvagale et la pleine confiance. Puis ensuite, j'ai commencé très rapidement à accompagner des créateurs de sommet en ligne, donc accompagner des entrepreneurs. Et donc, comment dire, j'avais deux cibles. Les particuliers, monsieur, madame, tout le monde sur, sur le sommet en ligne. Et puis sur la création de sommet en ligne, ben là, j'accompagne pas monsieur, madame, tout le monde, j'accompagne des web entrepreneurs, quoi. Des entrepreneurs, mais des web entrepreneurs. Et je suis tout le temps en train de danser entre est-ce que je fais du développement personnel dans mes partages, est-ce que je fais du développement professionnel, donc est-ce que je suis plutôt coach de vie ou est-ce que je suis plutôt business coach. Et en fait, quand on démarre, c'est très compliqué d'être le cul entre deux chaises, en gros, on va dire quoi. C'est très compliqué de surfer sur, sur les deux, parce que même au niveau de notre communication, qu'est-ce qu'on partage, comment on le partage, à quelle cible on le dit. Moi, sur ma newsletter, du coup, il y a des gens, ce sont des particuliers, d'autres des entrepreneurs. À un moment donné, si je leur partage du pro, mais qu'eux, ils sont juste un particulier, comment ils reçoivent mes informations. Enfin bon, tout ça me mettait énormément dans le brouillard. Et en même temps, ce que j'ai partagé vendredi, je dis voilà, je dis c'est que j'ai créé un sommet en ligne, le congrès de l'écologie relationnelle. J'ai pas envie de l'abandonner, ce sommet qui est plus développement personnel. Et en même temps, moi, je m'éclate à accompagner des créateurs de sommets en ligne, voilà, qui veulent augmenter leur visibilité, augmenter la portée de leur message, qui passent à l'action, qui ont envie de prendre leur place, qui ont envie de, d'avoir leur rôle à jouer dans, dans le monde. Et je dis, et je suis dans ce brouillard, et je me pose des questions si je ne dois pas simplifier, en tout cas pour l'année qui arrive, pour 2023, puisque on le sait, hein, sur les deux premières années de l'entreprise, c'est là où il faut que l'entreprise elle prenne son rythme de croisière et que vraiment elle vive, parce qu'on a beau avoir la meilleure volonté du monde, on a beau vouloir impacter le monde, si notre entreprise n'est pas rentable, bah, au bout de 2 ans, elle n'existe plus et... Bah, on aura beau vouloir impacter le monde, on aura beau vouloir changer le monde, ben, si on n'est plus là, on ne participe plus à ça. Quoi. Donc, je leur ai partagé le fait que, ben, oui, je me posais des questions. Est-ce que je devais trouver quelqu'un d'autre pour reprendre le congrès de l'écologie relationnelle? Est-ce que je devais le co-animer avec quelqu'un? Est-ce que... puis je pensais à quelqu'un, est-ce que, voilà, pour clarifier,
Et là, en fait, Cécile, elle m'a dit, mais en fait, la réponse, tu l'as déjà depuis 3 millions d'années, quoi. Je ne sais plus comment elle m'a dit. Elle m'a dit, tu l'as déjà, ta réponse, depuis longtemps, tu l'as. Et je dis, ben oui. Et là, elle m'a dit, ben écoute, là, aujourd'hui, soit tu nous dis quelle décision tu prends, soit tu nous dis quand est-ce que tu nous dis la décision que tu auras prise. Donc là, on était vendredi, et je lui ai dit, ben, je vous le dirai dimanche, dans le groupe Facebook privé du Mastermind, je vous le dirai dimanche, ma décision. Donc dimanche, c'était hier. Donc, faire des choix pour sortir du brouillard. Voilà. Parce qu'au départ, je lui ai dit, ah ben, je vous dirai vendredi prochain. Elle me fait, non, non, c'est trop long ça. Il dit, ça serait pas sympa de te laisser aussi longtemps dans le brouillard. Elle me dit, la réponse, de toute façon, tu l'as déjà. Et pour vraiment que cette réponse-là, qui est déjà dans ton cœur, tu l'amènes à ta conscience, pose-toi la question, qu'est-ce qui te rend heureux? Et en fait, ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui te rend heureuse? Ce qui me rend heureuse, c'est d'accompagner des gens qui, comme moi, ont des rêves, passent à l'action, font le premier pas et qui, à un moment donné, vont avoir envie qu'on fasse ce bout de chemin avec eux parce que ça va être plus fun, parce que ça va être plus sympa, parce que ça va aller plus vite, parce qu'on va éviter certaines erreurs, parce qu'on va gagner du temps, parce qu'on va gagner en sérénité. Mais ce que j'ai envie, c'est de travailler avec des gens qui ont une grande vision, qui sont ambitieux, qui ne se positionnent pas comme des victimes, qui ont déjà fait un pas en fait, qui ont déjà fait des choses et avec qui on va aller plus loin, on va aller porter la chose encore plus haut. Et ça, ces gens-là, je les trouve chez les entrepreneurs en fait. Parce que c'est ce que moi, j'ai fait. Quand j'ai eu envie de vivre mes rêves et que je me suis posé la question en 2017 quand mon beau-frère est décédé, Patrick, d'un cancer foudroyant 3 mois, et que là je me suis dit, ok, d'accord, la vie elle peut s'arrêter. Là, comme ça, d'un coup, je me suis dit, ok, il faut que j'aille vivre mes rêves parce que quand je vais arriver au dernier jour et que je vais regarder en arrière, que je vais me dire, c'est ça que t'as fait de ta vie? T'as même pas eu le courage d'aller faire ça, t'as même pas été faire ça. Là, tu t'es dit, oh mais non, c'est pas possible, ah, ben non. Et là, j'ai décidé d'aller vivre mes rêves. Au départ, je ne savais pas quels étaient mes rêves. Et puis, c'est par le biais de l'entrepreneuriat que j'ai, moi, découvert que je pouvais aller réaliser mes rêves. Parce qu'à l'époque, j'étais fonctionnaire, fonctionnaire d'État, enseignante, et que ça ne me permettait pas de réaliser vraiment mes rêves. Ça ne me le permettait pas. Et donc, vraiment, ce qui me fait triper, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner des gens qui ont choisi l'entrepreneuriat pour aller réaliser leurs rêves, pour se rendre heureux. C'est ça qui me fait vibrer, vraiment. Et je me rends compte que quand je travaille avec des particuliers et on va dire des gens qui viennent de tous horizons, ben des fois ce que je trouve difficile et qui ne me fait pas vibrer, c'est des fois de devoir avoir l'impression qu'ils sont là dans l'eau et qu'ils ne veulent pas s'en sortir et qu'il faut les sortir, quoi. Il y a des gens qui font très bien ça et qui sont passionnés par faire ça. Mais moi, je sais que c'est pas ça qui me fait vibrer, en fait. Ça me fait pas vibrer. Je vous en ai beaucoup parlé pendant le congrès. Des gens qui m'envoyaient des messages quand je disais que quand ils me parlaient des tarifs et que 12 euros le pack de 12 entrevues c'était trop cher et que l'année prochaine ils ne pourraient pas se l'acheter parce qu'ils avaient acheté une maison, parce que ceci, parce que cela et que donc ils seraient obligés de s'en priver. Mais ça me gonfle en fait quoi. Là je vibre pas du tout et je voulais partager. Dans ces moments-là je me dis mais qu'est-ce que tu viens me dire quoi? Qu'est-ce que tu viens me dire? Si tu ne peux pas mettre 12 euros pour 12 entrevues, mais que par contre quand c'est gratuit, tu les consommes. Et tu les consommes et tu fais quoi derrière? Et peut-être que vous sentez dans mon discours du jugement, ce n'est pas le cas en fait. Je ne suis pas en train de juger. Je suis juste en train de dire que moi, ce n'est pas ces gens-là que j'ai envie d'accompagner. Parce que ça ne me fait pas vibrer et je n'ai pas envie d'être leur sauveur en fait.
parce que le triangle dramatique de Cartman, je l'ai trop pratiqué. À mon insu au départ, sans m'en rendre compte que j'étais dedans. Mais depuis que j'ai compris, je ne veux plus être dans ce triangle-là. Donc, le truc qu'il y a, c'est que quand je propose, en tout cas, je parle pour moi, parce qu'il y a des gens, ils font ça merveilleusement bien. Mais moi, le développement personnel, tout seul, à grande échelle, où les gens sont en train de se plaindre parce que 12 euros c'est trop cher, où les gens sont en train de se plaindre parce que on fait un sommet gratuit mais qu'après on leur vend un voyage expérientiel et qu'ils viennent nous dire qu'on a fait du commercial pour leur vendre un atelier derrière. Mais vas-y, consomme du gratuit et puis consomme, et puis consomme, et puis consomme, et puis consomme. Ben ça me rend pas heureuse, moi. C'est pas ça qui me rend heureuse. Là, les voyageurs du voyage expérientiel qui ont donc choisi d'investir en eux, ça me fait vibrer. Ils ont choisi d'investir en eux. Ils ont choisi de passer à l'action. Ils ont choisi de prendre leurs responsabilités, de ne pas attendre qu'on vienne les sauver. Ça me fait vibrer. Et c'est avec des gens comme ça que j'ai envie de travailler. Mais il se trouve que quand je travaille avec des particuliers, ben, j'en trouve pas beaucoup, des gens comme ça. Et quand je travaille avec des entrepreneurs, là, j'en trouve des gens qui passent à l'action. Parce que déjà, pour être entrepreneur, il faut passer à l'action. C'est obligé. On ne peut pas attendre que la paye tombe à la fin du mois. Donc, c'est pas du tout... Et je ne suis pas en train de dire que quand on est salarié, on ne passe pas à l'action. Et je ne suis pas en train de dire que quand on est salarié, on ne fait pas du bon boulot. Hein. Mais en tout cas, quand on est entrepreneur, on est habitué à être proactif, à être ce que j'appelle des rêveurs acteurs. Moi, je me considère comme une rêveuse actrice, c'est-à-dire je rêve, oui, mais ça ne reste pas au stade de rêve. On passe à la concrétisation du rêve. On passe à la concrétisation du projet. On met en place un plan d'action. On a des objectifs et on met en place une stratégie qui est un ensemble d'actions pour arriver à notre but. C'est ça, moi, qui me fait vraiment vibrer. Et donc, la décision que j'ai transmise au groupe donc dimanche, c'est que pour l'année 2023, en tout cas, hein, parce que chaque fois, les choses vont être réactualisées, je vais me concentrer. Alors là, le voyage expérientiel continue. Demain, on a la deuxième escale. C'est un voyage merveilleux et ça, c'est génial parce que ceux qui ont pris leur billet, ces voyageurs-là, ils sont engagés. Et puis vraiment... C'est extraordinaire ce qu'on leur propose. Mais pour les prochaines choses que je vais proposer sur l'année 2023, je vais m'adresser aux entrepreneurs. Voilà. Je vais m'adresser aux gens qui veulent réaliser leurs rêves par le biais de l'entrepreneuriat, qui sont prêts à se challenger, qui sont prêts à se remettre en question, qui sont prêts à apprendre, qui sont coachables et qui sont prêts à... faire exploser le plafond, quoi. Voilà, qui ont une grande vision, qui ont vraiment une envie d'élévation des fréquences de l'humanité. Et donc, pour l'instant, ça va passer par le biais des interviews, la création des sommets en ligne, c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura d'autres offres sur prendre sa place. J'ai déjà fait un programme, là, à destination de tout public, hein, sur la connexion, sur l'intelligence relationnelle et sur l'influence, mais ça fait partie aussi des choses que je peux transmettre aux entrepreneurs. Et plus moi je vais apprendre aussi, plus je vais avancer dans le développement de mon entreprise, plus je vais pouvoir les accompagner. Mais déjà sur les sommets en ligne, j'ai une belle expertise aujourd'hui de plusieurs... tu m'entends pas ? Le micro est trop loin ? Ah mince ! Peut-être je vais parler plus fort alors. Merci Réjean. Je regarde pourtant. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Je fais mes lives comme ça tous les soirs. Mais écoute, merci de me le signaler. Ou peut-être c'est toi, il faut que tu montes ton son. Mais en tout cas, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et en l'occurrence, pour l'instant, ça passe au travers de Sommerling. Et je peux vous assurer que
un entrepreneur ou un web entrepreneur qui a cette ambition de créer un sommet en ligne, ça veut dire que déjà, il est au clair sur le message. En tout cas, s'il ne l'est pas, nous, on le travaille ensemble. Il est au clair sur le message qu'il veut apporter. Il est prêt à prendre sa place dans le monde, en tout cas dans le monde du web, mais dans le monde en général. Et il est prêt à, oui, à transmettre quelque chose, à assumer ce qu'il dit, à prendre ses responsabilités. Et puis, il est prêt à apprendre. Et c'est ça qui me fait, c'est ça qui me fait vibrer. Et je vais aller vraiment travailler ça avec des gens comme ça, parce que c'est ça qui me fait vibrer. Et j'ai partagé, je l'ai enlevé après parce que les gens commençaient à y avoir des commentaires qu'elle est dérivée vers un manque de bienveillance. Mais l'autre jour, quand je suis allée à la conférence, à la projection du film Suspendu, des soignants entre deux mondes en présence de Louis Fouché, et à un moment donné, il a dit... merci Réjean, c'est gentil de me faire ce feedback. À un moment donné, il a dit n'essayez pas de réveiller les moutons. Des moutons réveillés ne font que bêler. Réveillez les tigres. Alors ça peut être mal pris, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui a commencé à mettre en commentaire, ah oui c'est sûr parce que lui, le type, il se prend pour un tigre, lol. Bon, mais je pense qu'il n'a pas tout compris, mais parce que c'est pas ce qu'il dit, hein. Il n'a pas dit moi je suis un tigre, il nous a parlé dans le sens où, si je le ramène à moi, mon développement d'entreprise, quand je fais, quand j'essaie de faire de l'éducation en masse en fait, à faire du développement personnel, à parler à beaucoup de monde, et que finalement j'essaie de sauver certaines personnes, me positionner en sauveuse du monde qui va pouvoir réveiller ces personnes-là. Oui, ça va toucher certaines personnes, mais moi à un moment donné, je ne prends pas de plaisir quand j'ai des retours de gens qui ne comprennent pas en fait. Et qui viennent nous dire, voilà, c'est trop cher, je peux pas, 12 euros, j'ai pas les moyens, ben, on va regarder tes comptes et puis on va voir où est-ce que tu mets tes sous. Et j'ai pas envie d'être dans cette démarche-là, ça me fait pas vibrer, vraiment quoi. Donc j'ai envie d'aller réveiller les tigres de l'entrepreneuriat, ceux qui sont prêts à... Et sans prétention, mais ceux qui sont prêts à augmenter le son, à tourner le volume de ce qu'ils ont à dire pour eux, pour les autres, pour le monde. Mais pour eux d'abord, est-ce que ça les rend heureux à eux? Et c'est vraiment ce que m'a partagé Cécile, c'est qu'est-ce qui te rend heureuse? Et elle nous l'a redit encore aujourd'hui, je vais boire juste une petite gorgée d'eau. Elle nous l'a redit encore aujourd'hui, c'était hyper intéressant et important. Elle dit, dans ce que vous faites, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous rend heureux? Parce que d'être là en train de dire, je cherche à rendre les autres heureux d'eux, elle dit, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres. Vous n'êtes pas responsable de, est-ce que les autres se prennent en charge, est-ce que les autres prennent leurs responsabilités, est-ce que les autres sont prêts à apprendre? On n'est pas responsable de ça. On est responsable de notre propre bonheur. Donc même en tant qu'entrepreneur, la plupart des entrepreneurs conscients ont une entreprise qui a pour vocation d'apporter au monde, de changer les choses, d'élever les fréquences. Mais il faut d'abord que ça nous fasse vibrer, nous. Sinon, on n'est pas à la bonne place. Et moi, là, je me sentais être... Je le disais tout à l'heure, le cul entre deux chaises, les particuliers ou les entrepreneurs, le développement personnel ou le développement professionnel. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je travaille avec des entrepreneurs, je fais du développement personnel. Donc, je vais retrouver en fait tout ce que j'aimais chez un type de personne. Et en plus, ce que j'ai conscientisé, c'est que quand j'aide des entrepreneurs, ces entrepreneurs-là, ils sont pas, n'ont pas tous comme clients des entrepreneurs. Certains, oui, mais la plupart des entrepreneurs ont comme public
des particuliers. Donc en fait, je touche les particuliers. Et j'aide aussi les particuliers par le biais des entrepreneurs que j'aide à créer un sommet en ligne. Et la boucle est bouclée. Donc maintenant, la prochaine question dont pour l'instant je n'ai pas la réponse, c'est est-ce que le congrès de l'écologie relationnelle va s'arrêter? Et je vais faire un autre sommet à destination des entrepreneurs. Puis probablement, je vois plutôt le truc sur 3 sessions par an, plutôt sur un week-end, en live. Enfin bon, voilà, ça chemine dans ma tête. Donc, est-ce que le congrès de l'écologie relationnelle, la 3e édition, c'était la dernière, et puis on a un autre sommet qui va arriver? Ou est-ce que c'est celui-là qui va être modifié pour se transformer en un autre sommet? Je ne sais pas encore. Et en plus, j'ai vraiment l'envie de co-créer. Donc j'ai vraiment l'envie de créer ce nouveau sommet, cette nouvelle formule de sommet avec un ou une partenaire d'affaires. Voilà, c'est posé dans l'univers, c'est envoyé dans l'univers et je me laisse jusqu'à la fin 2022, donc il reste 2 mois, pour prendre la décision et puis on verra ensuite. Voilà. Mais en tout cas, j'ai déjà mis sur le papier tous les thèmes que j'aimerais aborder avec les entrepreneurs. C'est du développement personnel, mais c'est du développement personnel pour les professionnels. Et puis du business coaching aussi, bien sûr, plus spécifiquement pour les entrepreneurs et les web entrepreneurs. Mais... Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et si ça peut résonner en vous que des fois... Faisons des choix et ne restons pas dans le brouillard en fait. Parce que quand on reste dans le brouillard, moi ça faisait 15 jours, voire même plus, que ça me... ça me bloquait même dans mes communications en fait. Là, quand je suis sortie du sommet du congrès de l'écologie relationnelle le 1er octobre, quand je suis sortie de ces... Ça faisait combien de mois de préparation? Peut-être 6 mois de préparation. Quand je suis sortie de ça... En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas trop communiqué sur... Oh, merci, c'est tellement gentil. Merci beaucoup. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup communiqué autour de cet événement pendant des mois et que j'avais pas non plus suffisamment communiqué sur mes autres offres, sur la création de sommets en ligne, sur l'Académie du sommet en ligne... Et là, dès que j'ai commencé à recommuniquer, ça y est, une cliente est arrivée, en paiement en une fois, enfin voilà, pour un accompagnement à plus de 3000 euros. Et là, ça redémarre. Mais je me suis rendu compte que pendant un temps, en fait, ben, ma communication, elle s'était un peu éteinte, en fait. Donc voilà, donc là, ça va repartir pour de belles choses. Et puis, je sais que... Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à cette expertise-là sur les sommets en ligne. Je sais que je peux apporter et que j'apporte déjà beaucoup de choses aux entrepreneurs qui veulent prendre leur place par ce biais-là. Donc, il n'y a pas de raison que je ne leur donne pas un maximum et que je ne me laisse pas embrumer par d'autres sphères. Là, j'ai la chance... Lumia, là j'ai la chance pour la suite du voyage expérientiel avec toutes les escales qui sont lancées, ben, j'ai la chance d'avoir des co-créateurs magnifiques puisque c'est eux à chaque fois qui nous accueillent pour des escales. Donc moi j'avais fait tout le gros travail pour la création du sommet, puis là maintenant c'est eux qui travaillent. Donc demain on est en escale chez Valérie Fernand Ortega. Et puis, j'ai la chance d'avoir Virginie David, qui est mon assistante, et qui prépare les newsletters, qui vérifie que tout est OK, qui anime le groupe Facebook. Et en fait, je leur fais vraiment confiance sur ça. Et moi, je me laisse porter dans ce voyage, comme si moi aussi, je suis une voyageuse. Et puis, je me pose à chaque fois en escale. Mais là, ce n'est pas moi qui fait le job. Donc, je vais pouvoir vraiment préparer mon année 2023 et me concentrer sur... Sur ces créations de sommets, sur l'Académie du sommet en ligne, sur tout ce que j'ai à offrir aux web entrepreneurs. Et puis je vous dis, sur,
sur un nouveau sommet. Je ne sais pas encore exactement comment, je ne sais pas encore si je le fais seule ou pas. Voilà, mais vraiment l'idée, ça serait d'avoir une belle co-création parce que je suis sûre que, enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, c'est que si je dois nommer un ennemi, identifier un ennemi, pour moi, c'est la division. Je trouve que depuis 2 ans, on vit tellement de division. Et moi, j'ai envie d'harmonie, de réconciliation, d'unité, d'union, de tolérance, de bienveillance. Voilà. Donc, je ne vais pas rester trop longtemps parce que maintenant, je vais aller prendre ma douche et me coucher pour être en forme pour le rituel du matin des entrepreneurs avec Lumia Ferreira. J'ai parlé de toi tout à l'heure en ouverture du live. Voilà, la chère Lumia. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, le rituel du matin, Lumia, tu peux remettre en commentaire là ici toutes les infos si tu veux parce que je suis sûre qu'il y a plein d'entrepreneurs qui passent sur mon live et qui serait peut-être intéressé de voir ce que tu proposes. Alors, c'est pour les Européens parce que c'est quand même à 6h du matin, heure de Paris. Donc, les Québécois qui sont de passage sur mon live, bah, ça va faire un peu tôt pour vous. Un peu tôt ou un peu tard, on est dans quel sens? Non, ça va faire un peu tôt pour vous parce que, bon, dès que le décalage horaire sera fait, il sera 2h du matin pour vous. Donc, Lumia va vous mettre en commentaire, là, toutes les infos du rituel du matin si vous voulez... Si vous voulez aller voir, moi en tout cas, c'est parti pour un mois, du lundi au vendredi, levé 5h45, oh my god. Et une séance avec la belle Lumia Ferreira. Je ne sais pas rouler les R, tu m'excuseras. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à demain et prenez soin de vous. Bye bye.